Bonjour à tous, c'est Pierre de Pyriclis et nous voici pour une nouvelle vidéo sur le Black Ops 4 et ça va être l'initiation du coup du spécialiste batterie que je vous présente. Gonflé à bloc, ton nom de code, c'est batterie. La machine de guerre lance des grenades rebondissantes, rien de tel contre les ennemis qui sont planqués. La grenade à dispersion scola une surface. Et quand l'explosion se déclenche, ça fait tout plein de bébés grenades. C'est un fait, soldat. Plus on s'entraîne, plus on progresse. Allez, on s'y remet. Alors, comme ça, madame aime les explosions. Bien, c'est pas pour me déplaire. Allons faire exploser des trucs dans ce cas. Rejoins le marqueur. Jette une grenade à dispersion sur une cible et tu verras qu'elle y reste collée. Et quand elle explose, elle te chie des petites bombes dans tous les sens. Tu veux toucher cette cible? La clé, c'est une trajectoire en arc. Non, j'ai dit arc! Arc! Balance la sauce, très cher. Te prends pas la tête, elle s'accroche à n'importe quoi et à n'importe qui. Regarde. Tu vois l'autre con qui se la coule douce là-bas? Balance-en une vers lui. Et voilà, Ducon et ses potes n'ont plus qu'à danser. Tu vois ces campeurs qui jouent aux soldats dans la salle devant? On va leur servir un truc un peu épicé. Oh merde, quel bordel! Faudra augmenter la femme de ménage. Maintenant, pense un peu à tout ce que tu peux faire avec une grenade à dispersion. Comme faire exploser une bande de connards à couvert. Et voilà! Tu vois ça? Des campeurs sur un navire de guerre. Lance-en une en arc de cercle pour qu'elle atterrisse derrière ces connards. Ça va, j'ai compris. Bon boulot. T'as gagné le droit de faire trompette dans la mare. Jolie la technique. Quel pied! De l'eau dans les bottes, du sable dans le calbute? Non! On pisse pas dans la flotte! Ok, les vacances sont terminées. Chope une serviette et rejoins le marqueur suivant. Les cours reprennent. Surprise! On t'a dégoté un de ces trucs. Une machine de guerre. Lance-grenade semi-automatique. Ces saloperies rebondissent avant d'exploser. Tu vises la position d'un ennemi et c'est réglé. Un festin pour les rangs. La machine de guerre a un énorme rayon d'explosion. Énorme! Ça fait des envieux. Tiens, eux là, j'aimerais bien avoir un joujou comme celui-là. Va donc leur montrer comment on s'en sert. Élimine-moi tout ce petit monde et regarde bien, un sale type suffira. Une simulation idéale pour apprendre que ça fait bien mal. Fais-en tomber une de l'autre côté du mur et on verra comment l'autre le vit. Façon de parler, parce qu'il va mourir. Dommage pour la machine de guerre. Ce rebond, il était énorme. Genre... boum! Mais doucement! Quelle lumière brille à cette fenêtre? Celle de ta putain de grenade. Enfin, seulement si tu utilises le bon arc. Bien joué, Shakespeare! Tu viens de bousiller le manoir des Capulet. J'ai une super info pour toi. La machine de guerre détruit aussi l'équipement ennemi. Tu vois cette menthe? Il lui faudra sans doute la toucher plusieurs fois. C'est parti. Bon, tu viens de neutraliser toutes les membres de l'ennemi. Et ça les a foutus en rogne. Donc, ils ont décidé de rameuter une horde de soldats. Woods, lui, il pense que c'est le moment de se faire une belle série de points. Décime-moi tout ce petit monde. Un point par tête de pipe. Et une fois que t'auras atteint la limite de score, la foudre s'abattra.
Clamsé, c'est pas cool. On y retourne. Ok, tu tues la moitié de ces enfoirés, plus un. Ils se carapatent comme des rats. Balance la sauce. Merde, t'as foiré. Bon, retour à la case départ. Nouvelle série de points et tout le tintouin. Exécution. Foudroiement disponible. Experte en démolition, c'est juste une jolie façon de dire « je sais faire péter des trucs comme personne ». Je connais ton passif, t'es doué, t'es habité, un soldat de haute volée. Mais on va avoir besoin de toi à ton meilleur niveau, et vite. Ouais, t'as tout compris, je t'accompagne. Et cette fois, on fait les choses dans les règles. Woods, terminé. Jessica, je dois savoir comment elle est morte. Si jamais elle sombre, on peut même pas être certain qu'elle reviendra un jour. Elle est faible. Elle risque d'y passer. Si elle meurt, alors on la ramène. On la requinque. On sait le faire. Pareil pour toi. Tu peux le faire. Je le sais.